Donc la partie refroidissement. La cellule Infinity vous indique différentes familles de produits ainsi qu'un programme manuel. Sélectionnez la partie produits qui vous intéresse, en l'occurrence les viandes. Il va vous proposer deux choix, automatique, manuel, avec différents types de viandes, viande grasse, maigre, rôti, ragoût. Pour sélectionner les températures, cliquez sur la partie manuel, sélectionnez l'icône de la sonde, la température à cœur que vous souhaitez pour votre produit. Sur le deuxième tableau, la température d'air que vous voulez insuffler dans l'enceinte, les vitesses de ventilation et également la température de conservation que vous souhaitez à la fin de votre cycle. À partir du moment où les paramètres sont rentrés, cliquez pour valider. Attendez que le produit vous demande d'insérer la sonde. Prenez la sonde, piquez votre produit et refermez la cellule. Le tableau va vous proposer actuellement de vous informer sur la température de l'air ambiant, la température à cœur de votre aliment, la vitesse de ventilation et la température en fin de cycle et le temps écoulé par rapport à ce dernier.